tu as l'aime qui est pas chargé. Oh là là, comment changer ou? Non, 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 j'en m'en envie ou? Okay. Hi everyone, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le teaser, j'ai ma make-up spéciale fête. Donc aujourd'hui, on va partir sur cette base. Je me suis pas coiffée, on va tout faire ensemble. Coiffure, make-up, tenue. Et comme ça, vous aurez un peu mon idée sur comment être glam pour les fêtes de fin d'année. Je tenais déjà à vous prévenir, là on est sur un make-up glam, c'est pas pour les petits joueurs. Donc là sur le visage j'ai de la crème hydratante. Là je mets une brume d'eau parce que je préfère une base un peu... Je sais pas comment expliquer, mais j'aime ça moi. Donc là je vais prendre mon primer de chez Milk Makeup. Là je pense que peut-être j'en ai mis trop. Si vous me voyez regarder un peu sur le côté, c'est parce que j'ai un miroir. J'ai fumé donc moi-même les gars, ils sont trop beaux. Donc moi je vais passer directement au fond de teint. Mais mon fond de teint je le mets pas partout. Je le mets que sur les endroits où j'en ai besoin. Je mettrai un peu plus que d'habitude parce que là on est sur un make-up glam. Je tapote le fond de teint. Et vous voyez je mets pas... Je mets un peu sur mon front parce que là c'est un make-up glam mais de base j'en mets pas moi. Et là, si vous voyez bien, je ne mets pas près des cernes. Par la suite, dans le make-up, il y aura beaucoup de musique. Hein, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas mon délire. Désolé. Donc moi, je prends un contouring. Et comme le mien, il est très très foncé, je prends surtout que ce qui est sur le manche. Donc, je creuse. Si vous regardez bien, je pince mon pinceau, like this. Je pense. Au niveau du front, en fait il faut faire son contouring du front comme on aimerait avoir un front ou en respectant son front. Moi je préfère faire une illusion d'un front qui me correspondrait un peu plus. Moi le but n'est pas spécialement de rapetisser mon front, mais si vous regardez mon front sur le côté, mon front il est assez plat. Je n'ai pas de boss, vous voyez, il n'y a pas de clouc qui sortent. Mais moi j'aime bien les tempes, j'aime bien le côté un peu sévère. Donc qu'est-ce que je fais? Je crée des tempes en faisant de l'ombre et en me créant un front qui sort. Moi je surligne que cet angle. Je crois que c'est la mandibule. Il n'y a que cet angle que j'aime spécialement. On va passer le ralenti cerne. Vous allez voir comment je le mets. Et après on passe au blush. Là je mets une musique. Donc là, ce que je fais, en gros, j'ai estompé l'anti-cerne. Vous voyez, je suis montée comme ça. Donc j'ai estompé et je laisse là, il y en a beaucoup, je laisse ça prendre. Je n'aime pas le résultat de cet anti-cerne là quand il prend, quand il cake. Donc je vais le mettre sur celui-là. Mais en fait, c'est un anti-cerne qui est super clair, quoi. Donc je le mets dessus. Voilà. Donc là j'ai un côté highlight, je vais laisser un peu 2 minutes hein, environ. J'estompe œil par œil. Donc là vous voyez j'ai estompé avec un pinceau. Je vais prendre une houppette, ce genre d'éponge, et je vais houppeter. Je vais prendre très très peu de poudre. Je pense que d'abord je vais utiliser un pinceau. Donc je prends très très peu de poudre. Je vais tapoter pour blender. Puis après je prends la houppette et je vais mettre du surplus pour le baking. Ma houppette, je la plie avec mes doigts, je tape dans ma poudre. Ma poudre c'est la nouvelle poudre de chez Yuda. Et moi j'ai pris une teinte Kunafa, c'est une teinte très jaune et c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Comme ça, c'est sûr que je mets un peu au front mais je mets pas trop. Et je mets un peu sur le nez. Et sur mon menton, c'est incroyable, j'aime trop 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 cette poudre. Donc là on va partir aux yeux. Donc pour les yeux, je vais faire un truc.
simple, élégant. Vous allez voir. Je vais pas prendre de l'anticerne blanc blanc. Hein. Je prends juste le surplus qui sort là. Voilà. Et je vais tapoter sur les yeux. Je le fais plus trop souvent, mais je suis quelqu'un qui maîtrise assez tout ce qui est maquillage des yeux. Sur mon Instagram, j'avais déjà fait des hyper colorés qui existent de cette palette. Moi j'ai la version matte, comme je vous ai dit, la boy matte. Donc pour ce faire, premièrement, qu'est-ce que je fais? J'utilise une poudre de ma teinte. Celle-ci vient de chez Primark. Je voulais juste un peu changer, donc j'ai pas pris ma poudre de teint. Et en fait, je vais mettre un peu partout. Mais surtout en coin de transition. Pour ce make-up, vous aurez besoin d'un pinceau souple. Le mien, il est un peu taché de noir. Et donc, je mets en couleur de transition un pinceau marronné que j'ai trempé une fois dans du noir. Une seule fois. Donc en fait, vous allez voir que ça vous fait directement un petit côté charbonneux. Et on va prendre un pinceau en amande. Comme ceci. Et moi, je vais chercher à mettre une couleur hyper claire. Donc je vais mélanger le Nothing Else et le White Lies. Donc là, une fois bien éclairci, qu'est-ce que moi je fais? Je reprends une couleur de ma teinte et je repasse dessus pour que le mélange soit plus doux, vous voyez. Je reprends le pinceau fluffy de la première fois et je vais étirer un point interne, un point externe et passer comme ça, vous voyez, comme ça. Vous utilisez votre pinceau par le bout. Comme ça, vous avez plus de flexibilité dans le membre. Et vous décollez votre bras de votre poitrine. Si vous êtes armé, fermé, vous aurez moins de flexibilité. Donc vous décollez le bras. Et comme ça, vous pouvez plus facilement vous mouvoir. Donc moi, au niveau des sourcils, j'utilise un pinceau, un crayon de chez Essence. Et donc je trace des mini poils. Et au niveau de... pour tracer mes sourcils, vu que je veux pas attirer mon regard sur mes yeux, moi je trace mes sourcils avec mon fond de teint. Je balaye juste comme ça et je retrace. Et voilà. Ok, donc là mon teint il est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà je vais poudrer mon teint. Parce que je sais pas si vous voyez là, c'est un peu disgracieux. Mon fond de teint est pas mat, donc c'est normal. Donc je me prends un pinceau à poudre. Et donc je passe partout avec ma poudre de fond de teint. Concernant le baking, je vais passer une houppette. Et je vais tapoter partout. Puis je vais repasser mon pinceau de teint partout sur le baking. Surtout aux extrémités. Donc là on est sur un teint qui est fait. Mais il manque de chaleur ce teint. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais utiliser mon bronzer de chez Fenty. Mais je ne veux pas un blush rouge aujourd'hui. Je veux un blush orange. Donc je vais me prendre une ombre à paupières de chez Black Up. On est bien. Et donc comme c'est les fêtes, aujourd'hui je vais faire une bouche très voyante. Ce n'est pas le type de bouche que j'ai l'habitude de faire. J'ai envie de changer, j'ai pas envie d'avoir juste une bouche rouge. Donc je veux un mini dégradé de rouge. Donc pour ce faire, je vais commencer par mettre du crayon noir. Je dégarde un peu. Voilà. Et je me prends mon rouge à lèvres MAC. Donc le mien, c'est la teinte Fashion Legacy.
et je le mets partout. Voilà, petit fossile, bouche bien rouge, un teint bien chaud. Donc aujourd'hui je vous ai pondu un tuto make-up, make-up glam pour les fêtes de fin d'année. Donc voici mon make-up glam, vous voyez on est sur un truc très léger et très simple. Au niveau des yeux, au niveau du teint, mais au niveau de la bouche, on est sur un petit truc un peu plus. En ce qui concerne le make-up, c'est fait. Donc là, on va passer à la coiffure. Donc, moi qui dis fête, dit chignon. Pour moi, c'est tellement logique. J'ai trop envie de me coiffer aussi avec mes cheveux naturels parce que je pense qu'on a un seul vu de perruque sur YouTube. Surtout qu'on est noir. Moi, j'ai pas envie de. Et je pense qu'on a assez vu aussi. Le fait qu'on lisse ses cheveux pour être classe, tout ça. Moi, je suis pas dans ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai envie de faire un chignon. Enfin, un chou fermé, chignon, tout ça comme vous voulez. Oh, mais j'ai envie de faire le nouveau truc à la main. Donc, premièrement, je sépare mes cheveux. Je laisse une petite rangée de devant. Voilà. J'ai utilisé mon gros pot de gel. Et je brosse sur tous les cheveux de derrière et sur le côté et sur l'autre côté. Je préfère travailler en section parce que ça va mieux hein, comme ça. Donc vous aurez besoin pour la partie de devant de deux chouchous et d'un peigne à cul. Donc là en fait moi je veux faire la nouvelle coiffure qui est un peu à la mode. C'est en fait un chou. Oui mais en fait on a une raie au milieu. Donc je prends un peu environ vers mon nez. Je trace la raie quand même très nette quoi. Voilà. Et en fait, je brosse les cheveux de devant sur le chou de derrière. J'ai l'impression que j'ai pas fait assez partir sur le côté. Bon, au pire, je mettrai de l'anticerne comme dans une perruque hein, parce que ça me saoule. Bon, sans. En fait ça se voit mais ça se voit pas assez. En fait j'ai l'impression que les cheveux des blancs qui ont pas beaucoup de volume, que ça se voit de ouf. Et donc je fais un petit chou. En fait ça se voit hein, mais ça se voit pas assez je trouve. Je vais prendre mon peigne à dos. Je vais essayer de faire passer les cheveux, oui, de les séparer. J'aime beaucoup faire ça, reprendre un peigne à dos. Et repasser dans chaque cheveu et tout, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Mais moi je trouve que ça se voit pas assez. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un pinceau fin. Et du fond de teint. Et je vais mettre un peu sur la raie. Moi je me suis fait une petite bague là, une petite barre. Hein. Mais je vous jure, ça se voit pas assez. Comme mes cheveux sont assez lisses, je peux mettre beaucoup. Je brosse. Thank you.
trouve qu'en caméra vous voyez pas à quel point le foulard il est sale de maquillage et tout. On va regarder ça comme ça. Donc là on va passer à la tenue. Donc je vais poser tout mon make-up. Ok, donc là on passe par la partie outfit. Et pour ce faire j'ai eu envie de vous mettre ce petit short que je vais empiler tout de suite. Ok, donc là vous me voyez, j'ai vraiment galéré, je vous jure. Donc j'avais envie de mettre ce petit short. Donc ce short il me vient de chez Zara. Et le body avec effet monogramme, lui il me vient de chez Primark. Donc j'ai mis mon petit collier Dior. Je vais rajouter mon sac Saint Laurent bien rose, bien girly, qui est la même rose que le short. Et par la suite je vais mettre des petites bottines, parce que même si on n'en a pas dit, c'est l'hiver. Ma caméra m'a bien envoyé me faire foutre, donc il n'y a plus de batterie, très clairement. Donc là, je vais continuer la vidéo avec le téléphone en attendant qu'elle charge pour vous monter le style look. Donc là, je vais me mettre les bijoux. Donc je vais mettre les bijoux que mon copain m'a offert. Mes amis viennent de soude. I'm so excited. Parce que c'est la robe que je l'aimais. C'est la robe que je l'aimais. J'aime trop ma coiffure. Elle pète en fait. C'est très très beau. On dirait des cheveux très sains. On adore. Et oui. Un petit peu chou. Il y a les détails. Il y a du détail. Donc moi je me suis pris les Merfeuille. I love it. Oh, it's so beautiful. Donc, je vais retirer mes bijoux à gâteau. Oh my god! C'est si dur. C'est trop, trop, trop beau. Oh mon dieu, c'est trop beau. Oh, ah. God. I'll be on the way, boy, 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 I'll be on the way, boy